SOS Femmes Battues, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur ? Oui. Vous êtes trompé de numéro ? Non, je m'appelle Marc et j'ai battu ma femme. Comment ? Oui, je l'ai frappé, je suis devenu fou madame, j'ai dérapé. Je viens d'appeler les urgences, je viens d'appeler les flics. Fallait que je parle à quelqu'un, fallait que je m'explique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un an et demi qu'on est mariés, depuis quelques temps ça va pas. Ça fait 6 mois que je cherche un emploi et un boulot. On vit en Île-de-France et depuis le mariage j'ai la tête sous l'eau. À 27 ans je pensais pas être millionnaire, mais je voulais tout lui apporter. Mais même le strict nécessaire je n'y arrive pas. Alors je m'en suis pris à elle, comment ai-je pu tomber aussi bas? Des scènes de jalousie aux relations sexuelles alors qu'elle voulait pas. Mais pourquoi? Je l'ai cru responsable, mais c'est moi le minable. J'agissais comme si j'avais besoin de la rabaisser. Je l'ai blessée, je l'ai vu encaisser. J'ai tout fait pour l'éloigner de ses proches et j'ai menti, je traînais dans les bars avec des potes. Le soir quand elle rentrait, le moins de détails c'était l'embrouille. Et dans son regard, dans ses gestes, je voyais bien qu'elle avait la trouille. Je fais peur à ma femme et c'est mon drame. Son comportement a changé car j'ai été infâme. Mais vous avez essayé d'en parler à quelqu'un? Mais à qui? Je vais pas aller consulter un médecin, lui dire quoi? Elle a tenté de maintenir l'équilibre. Elle avait de l'argent et moi je me suis senti invisible. Je me suis senti petit, alors je l'ai dénigré tout le temps. Et la famille et les proches, personne vraiment? Pas ma femme, c'est pas une chose qu'on l'on dit à ses parents. Elle a été patiente car elle avait l'espoir que je change. Mais plus elle essayait, plus je changeais pas. C'était une agression psychologique permanente. Et la violence de mes mots la rendait incompétente. Elle se sentait pas en sécurité, elle avait raison. Plus je contrôlais la situation et plus c'était la prison. J'ai eu du mépris pour elle et pourtant je n'ai jamais cessé de l'aimer. C'est moi qui avais besoin d'être aidé. Madame, elle est enceinte de 4 mois et aujourd'hui je l'ai battue à lui casser le bras. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Elle m'a fait une remarque, j'avais trop bu. Ça a été une gifle au début, puis elle a continué à se moquer en colère. Je lui en ai collé une dans les gencives. Quoi? Ouais, on s'est battu et je l'ai frappé avec la barre de fer. Je lui ai fait vivre l'enfer, mais je n'en tire aucune fierté, madame. Mais où est-elle? Elle est à terre, là, à côté. Moi, inconsciente, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà appelé les urgences. Oh, oui, Dieu. Je sais, j'ai été trop loin, j'ai pété un câble. Maintenant, je sais que c'est la fin. Non, mais attendez, monsieur, Marc, continuez à parler, est-elle encore en vie? Oui, je crois. Alors, c'est de ma faute. Je bossais dans l'informatique à la maison, je remplissais mon rôle. Mais tout est parti de travers, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais quand c'est vous, c'est souvent qu'on le voit pas venir. J'aurais dû me ressaisir, je le sais. Y'a plus d'avenir aujourd'hui. Mon geste est impardonnable, méprisable. Elle méritait pas ça, madame. Vous avez des remords? Je veux pas qu'elle meure, non, car j'ai eu tort. Je lui ai manqué de respect, manqué à mon honneur, manqué à ma promesse, manqué à mes vœux, j'ai manqué à notre amour. Et je suis le seul responsable de cette violence conjugale. Je dois vous laisser, madame. Y'a les flics à la porte. Non, mais attendez, monsieur. Marc, ne raccrochez pas. Allô? Allô? Marc? Ce morceau, c'est pour toutes les femmes battues. Les hommes n'ont pas d'excuses. Et cette chanson n'en est pas une. La réalité est souvent encore plus dure, je le sais, mais aujourd'hui, j'ai pris mes responsabilités. Car c'est pour le meilleur et pour le pire.